Ce qui nous a motivés avec Isabelle dès le début pour réfléchir avec les amis sur le dessein de Dieu pour la vie, en fait, c'est ce désir d'harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois quand on regarde la création, tout est harmonieux, et quand on va en ville, par exemple, on prend le métro, on trouve des visages tristes. Et donc cette discordance entre l'harmonie possible quand tout va bien et la tristesse de certains visages ou d'une maman qui on la sent accaparée et son petit l'agace, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on cherche quand on enseigne des mots justes mais qui correspondent bien au dessein de Dieu, c'est-à-dire un dessein de bienveillance, de c'est vraiment une bonne nouvelle que Dieu nous donne. Et donc, dans nos pédagogies, que ce soit une bonne nouvelle. Et puis, par ailleurs, depuis quelques années, on se rend bien compte qu'il faut clarifier la chose. Qu'en est-il de l'écologie? Est-ce que pour nous, chrétiens, l'écologie, c'est important ou c'est un peu secondaire? Et en 91, dans Centesimus Annus, Jean-Paul II a écrit, on ne fait pas assez sur l'écologie humaine. Alors moi, on a regardé avec Isabelle, et déjà Paul VI, en 71, 72, quand l'écologie n'intéressait personne à l'UNESCO, à l'ONU, dans son discours, il avait parlé de l'importance de l'écologie. Donc on s'est dit, il faut qu'on travaille sur l'écologie. Et puis, je vais un peu vite, on arrive à notre bon pape François, qui commence son premier sermon par nous disant, nous sommes gardiens de la création et de nos frères. Donc vraiment, l'écologie, c'est vraiment notre cadre de chrétien d'aujourd'hui. L'autre grande dimension, c'est comment savoir dans un monde où on a l'impression que ce n'est pas possible de vivre la convivialité si on ne peut pas dialoguer de manière raisonnable avec les hommes de notre temps, les hommes et les femmes de notre temps, chrétiens ou non. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des critères pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et donc, on est d'accord, il est interdit d'interdire, hein, depuis 68, mais alors. Donc le permis le défendu, c'est pas la bonne solution. Alors y a-t-il des règles pour la vie quotidienne? Est-ce qu'il y a des règles à suivre pour être heureux, pour participer à la construction de l'harmonie? Et Benoît XVI, avec sa petite voix humble, dès le début de son pontificat, lors du fameux discours du Nouvel An sur la paix, ou 2 années, à parler de l'écologie humaine et de la grammaire de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, des règles pour vivre et conduire à notre bonheur, qui ne soient pas imposées de l'extérieur, qui découlent de la réalité, qu'on puisse partager avec tout le monde. Donc il y a des règles, si vous voulez, comme acide plus base donne sel plus eau, c'est des règles qui sont dans la nature, dans la vie. Y en a-t-il pour notre vie humaine? Et c'est les règles de la grammaire de la vie. Et en somme, vous voyez, écologie humaine, c'est-à-dire comment tout ce monde peut être bienfaisant pour qu'on ne soit pas limité, on n'est pas limité à juste obéir, on est appelé au bonheur ensemble, l'harmonie c'est ensemble. Et comment, donc ça c'est l'écologie humaine, mais l'écologie intégrale, et puis pouvoir dialoguer avec tout homme, avoir des règles de grammaire de la vie qu'on puisse partager, pas vivre dans notre petit clan. Par exemple, vous voyez, c'est super l'objection de conscience quand on n'est pas d'accord, c'est le dernier rempart, je peux encore dire non, c'est drapeau blanc, là, telle action médicale, je la ferai pas. Oui, mais enfin, c'est pas suffisant. On veut participer à la vie du monde. Donc, en somme,
ne pas être contraint à juste dire moi je fais pas, mais participer à la vie du monde. Et pour ça, il faut pouvoir dialoguer. D'où l'importance des valeurs, des principes. Parce que ça, on peut les partager. On peut les partager. Et petit à petit, une matière s'est élaborée. Et cette matière, donc, on va la décliner en 5 grandes parties. La première partie, c'est l'écologie. La première partie, c'est l'écologie. C'est-à-dire, donc, comprendre le monde qui nous entoure et ce qui est bienfaisant. Mais très vite, la deuxième partie est nécessaire, c'est que la loi de la création, quelle est-elle? Qu'est-ce qui a été à la source de la création? C'est la loi du don. Donc, on ne peut pas avancer si on n'a pas compris le secret du Créateur. C'est le don, et donc, ça sera la deuxième partie. Cependant, on ne peut pas présenter un monde beau, 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 alors même que quand on va dans la rue, ou dans le métro, c'est plutôt les cris de souffrance, les larmes, ou dans la vie conjugale, nos vies familiales. Donc la troisième partie, c'est comment restaurer, comment cheminer pour des relations humaines durables. Comment progresser pour accueillir la souffrance. Et comme dit le pape François, toujours aller de quelque chose qui ne va pas à quelque chose qui va mieux. Il ne s'agit pas de dire le bien il est là-bas, quelles sont mes fautes pour atteindre au bien, c'est partir de là où je suis, tout concassé, et comment je peux aller mieux, tendre vers le bonheur. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, très simplement, ici et maintenant, tendre vers le bonheur, vers des relations humaines restaurées. C'est la troisième partie. Et puis après, c'est la grande fresque de l'amour, c'est-à-dire comment cheminer vers l'amour, qui qu'on soit, quelle que soit notre condition, enfant, adulte, vieillard, marié, célibataire, consacré, comment cheminer dans l'amour, en fait. C'est la quatrième partie. Et puis enfin, la cinquième, c'est de se rendre compte que, en fait, notre horizon n'est pas fermé. Quel est notre horizon? C'est l'harmonie. C'est-à-dire là où je suis, dans mon lieu, par exemple, moi et Isabelle, nous sommes les anciens, les grands-parents, comment on peut travailler pour l'harmonie dans notre vie, là où on est, ou dans notre lieu de travail, comment cheminer vers l'harmonie? Parce qu'on est appelé à l'harmonie, on n'est pas appelé juste à ce que ça fonctionne.